Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Les premiers pas d'un chef d'État occidental à Cuba. François Hollande est entré dans l'histoire aujourd'hui en se rendant à La Havane. Une première pour un président français depuis 1959. Analyse et débat dans cette édition. La fin du marathon pour la loi Macron au Sénat. Après 4 semaines de débat, les sénateurs ont enfin terminé l'examen de ce texte fleuve. Le vote solennel doit intervenir demain. Le point sur cette dernière journée dans un instant. Le Sénat va-t-il durcir le texte sur l'asile? Le projet de loi a débuté ce soir en séance. Objectif, réduire les délais d'attente des demandeurs d'asile. Mais dans un contexte tragique de mort en Méditerranée, la réponse des sénateurs pourrait être musclée. Dernière séance pour la loi Macron au Sénat et pour un texte qui ambitionne de libérer la croissance. L'emploi était au cœur des discussions de cette ultime journée de travail avec les sénateurs avant le vote solennel demain. Quentin Calmé. Qui est contre ? Une dernière journée répétitive. Qui est pour ? Où sénateurs communistes et majorité de droite s'opposent sur la réforme du CDI, des plans de sauvegarde de l'emploi et du droit à la formation professionnelle. Pour la gauche de la gauche, la loi Macron méprise les salariés. Ça fait maintenant 4 semaines qu'on travaille sur ce texte et article après article, on est confronté en ce qui nous concerne à ce qu'on peut appeler un détricotage du code du travail et ça me met en colère. À droite, à 24 heures du vote solennel sur le projet de loi, on se félicite des modifications apportées au texte au fil des jours. Un nouvel équilibre bien plus favorable aux entreprises. On a trouvé un bon équilibre qui est celui en effet de maintenir dans le texte ce qui était des bonnes mesures favorables aux entreprises, de rectifier ce qui était des mesures difficiles, notamment en matière de profession réglementée, et d'apporter en matière de croissance et d'activité des marqueurs forts qui répondent à ce que nous demandent les entreprises sur le terrain. Reste une inconnue, que faire au groupe socialiste de cette loi Macron dans sa version droite sénatoriale? Les sénateurs entendent se mettre d'accord demain lors de la réunion de groupe, avant le vote solennel en début d'après-midi. Une visite symbolique, mais pas seulement. François Hollande, premier président français à se déplacer à Cuba auprès du régime castriste. Au-delà des échanges culturels, le chef de l'État entend faire de la France un partenaire commercial privilégié. Sandra Cerqueira. Lui qui a salué le geste de Barack Obama à l'égard de Cuba, sait que le sien restera aussi dans l'histoire. François Hollande est le premier chef d'État occidental à fouler le sol cubain depuis l'annonce du dégel des relations avec Washington. Et c'est ce qu'il tient à souligner dès son arrivée. C'est aussi un symbole. C'est aussi un symbole. Être le premier chef d'État occidental. De los presidentes occidentales. Participer à l'ouverture de Cuba au monde. Le symbole d'un pays en pleine mutation. Officiellement, il s'agit bien pour la France d'accompagner Cuba dans son ouverture, autrement dit de faire des affaires. Aujourd'hui, la France exporte sur l'île des céréales, des engrais agricoles et du matériel de transport. Elle est le 4e investisseur mondial sur l'île. Mais avec Cuba qui s'ouvre aux investisseurs étrangers, la France compte bien décrocher de nouveaux contrats. François Hollande n'est donc pas venu tout seul. Une trentaine de chefs d'entreprise l'accompagnent, car Cuba est aussi une porte d'entrée pour certains marchés d'Amérique latine. Et on reparlera de cette visite de François Hollande à Cuba, première d'un chef d'État occidental depuis 1959, avec les invités de notre débat dans un instant. La commission des affaires étrangères du Sénat, rattrapée par l'actualité tragique, la semaine dernière, les sénateurs avaient effectué un vol test à bord de l'A400M, un avion militaire du même type que celui qui s'est écrasé samedi matin en Espagne. Pas question pour autant de remettre en cause le programme de cet avion, comme ils l'ont expliqué à Flora Sauvage. C'est un coup dur pour l'A400M. Ce devait être le nouveau fleuron de l'armée française, mais depuis le lancement du programme européen en 2003, les surcoûts, les retards et les défauts de fabrication s'accumulent. Samedi, le crash d'un A400M lors d'un vol d'essai en Espagne a coûté la vie à 4 personnes. Un crash qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour Airbus, le constructeur. Si aucun client n'a annulé sa commande, depuis l'accident, 4 pays ont suspendu leurs vols. La France, elle, maintient ses vols prioritaires en opération.
Certes, il y a eu un accident, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a des accidents dans l'histoire de l'aéronautique. Certes, c'était un vol d'essai, mais enfin, l'armée de l'air a déjà procédé à près de 2000, je crois que c'est 1800 heures de vol sans le moindre incident. Donc, pourquoi arrêter soudainement? Pourquoi bloquer l'utilisation des A400M? Estimé initialement à 20 milliards d'euros, le coût du programme s'élèverait maintenant à 31 milliards pour seulement 174 appareils commandés. Et la facture risque encore de s'alourdir, mais les défenseurs de cet avion de transport militaire mettent en avant ses atouts techniques. Un crash est quelque chose de terrible et en même temps il faut en tirer toutes les analyses, mais ça ne peut pas remettre en cause l'ensemble du programme. C'est comme si on disait à un moment donné une fusée se scratch et donc on ne fait plus de départ de fusée pour déposer des satellites et envoyer des hommes dans l'espace. En attendant les conclusions de l'enquête et l'analyse des boîtes noires, Airbus maintient son objectif de livrer 14 A400M cette année. C'est la polémique du jour. La loi sur le dialogue social portée par François Rebsamen mettrait à mal l'égalité professionnelle homme-femme. Les associations féministes s'inquiètent d'un net recul et lancent une pétition. Julie Hulin. Ne supprimez pas l'égalité professionnelle. Voici l'appel lancé notamment par de nombreuses associations féministes. Une pétition et en une journée seulement, plus de 20 000 signataires. Pointé du doigt, François Rebsamen et son projet de loi sur le dialogue social. Sous couvert de simplification, la réforme prévoit la suppression du rapport de situation comparée. Un outil qui oblige chaque année les entreprises à établir un diagnostic de l'égalité homme-femme. Un véritable retour en arrière pour les porteurs de la pétition. Si on n'a pas de données, on peut dire dans l'entreprise, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison de mettre en place des actions pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Or, aujourd'hui, on sait que les inégalités, elles sont très tenaces, elles persistent. Il y a toujours 27% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas faire reposer l'égalité professionnelle sur le bon vouloir des entreprises et qu'il faut vraiment un portage politique fort, des textes contraignants pour qu'on puisse avancer concrètement pour l'égalité. Des associations soutenues par le Haut Conseil à l'égalité qui exprime dans un courrier adressé à François Rebsamen ses vives inquiétudes et interrogations. Réponse du ministre du Travail sur son compte Twitter. Demain, toutes les données seront disponibles dans une base de données unique. Insuffisant pour les associations, car ces informations ne seront pas comme aujourd'hui encadrées par des indicateurs précis et donc pas vraiment contraignantes. Sous la pression, le gouvernement a finalement revu sa copie et annoncé ce soir un amendement au projet de loi dialogue social qui sera présenté à l'Assemblée le 20 mai prochain. Et puis en bref, cette information qui concerne le Front National, Jean-Marie Le Pen annonce vouloir créer une formation, je cite, « pas concurrente du FN ». Au Sénat, l'association Solidarité Nouvelle face au chômage organisait un colloque à l'occasion de ses 30 ans. Objectif, présenter les initiatives de l'association qui offre aux chercheurs d'emploi, comme elle préfère appeler les chômeurs, un soutien humain et personnalisé. Jérôme Rabier a pu accompagner sur le terrain un demandeur d'emploi et le travail réalisé par des bénévoles à Nanterre. Reportage. Depuis 9 mois, Christine Mraizika se rend régulièrement à Nanterre dans les Hauts-de-Seine au siège du Crédit Coopératif. Non pas que ce soit son lieu de travail, car licenciée fin 2013 par un groupe américain, cette traductrice français-anglais est en recherche d'emploi. Ça va ? Si elle vient ici, c'est pour retrouver ses deux marraines de Solidarité Nouvelle face au chômage, SNC, une association qui lui offre un accompagnement personnalisé qu'elle n'avait pas trouvé à Pôle emploi. Depuis la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben pas mal de choses. Tous les 15 jours, on se rencontre, on fait le point sur ce qu'on a fait, sur ce que j'ai fait et sur ce à quoi elles ont pensé 15 jours avant ou pendant les 15 jours. Donc, bon, elles me conseillent, sont dans la bienveillance et dans le conseil. Et du coup, ben voilà, ça avance, quoi, ça avance. La méthode du SNC, c'est de s'appuyer sur ces 1800 bénévoles accordant quelques heures de leur temps, souvent en lien avec leur territoire ou au sein même de leur entreprise. J'avais envie, en tant que salarié, de faire autre chose et de faire une action sociale et d'aider les gens qui étaient en exclusion. Et donc le plus de l'accompagnement SNC, c'est d'être vraiment à l'écoute de la personne d'une façon juste et sans jugement. Plus que des conseils, un véritable échange qui permet aux chercheurs d'emploi comme aux bénévoles de sortir grandi. Elles sont les deux personnes qui, sur mon parcours du combattant, vont
auront terriblement compté, vraiment. Voilà. Loin d'être inactive, Christine Mraisika, désormais freelance, est sur de nombreuses pistes mais recherche toujours de nouveaux contrats, bien décidée à retrouver pleinement le chemin de l'emploi. Et notre invité ce soir, Gilles Delabarre, bonsoir. Vous êtes le président depuis 2009 de cette association Solidarité Nouvelle face au chômage. En 30 ans, quel bilan tire l'association de son existence ? En 30 ans, nous avons accompagné à peu près 30 000 chercheurs d'emploi, puisque vous avez bien précisé que c'est le mot que nous utilisons, le mot demandeur d'emploi étant un petit peu stigmatisant. Et surtout, nous avons des résultats qui sont issus de notre méthode d'accompagnement en binôme, comme on l'a vu dans le reportage. Et nous arrivons à un taux de solutions positives de l'ordre de 2/3 des personnes que nous accompagnons. Alors, vous n'avez pas vocation à remplacer Pôle emploi, pourtant vous êtes un complément. Comment s'articule le travail avec Pôle emploi, justement ? Alors, avec Pôle emploi, bien sûr, nous avons des relations, puisque au niveau local, nous avons 150 groupes au niveau local, et chacun des groupes est en relation avec les délégations territoriales de Pôle emploi. C'est un travail complémentaire. Les accompagnateurs de SNC ont des personnes qu'elles accompagnent, et à côté de ça, ces personnes, elles ont des relations avec Pôle emploi. Et souvent, les relations peuvent être non pas difficiles, mais elles peuvent être source d'incompréhension. Donc nous les aidons pour avoir des bonnes relations avec le service public de l'emploi, notamment les agences locales, mais aussi derrière ça, de bien préparer leur futur, leur projet professionnel, parce que Pôle emploi a des offres de services, notamment en termes de formation, et nous les aidons à mieux préciser leur projet, à mieux préciser leurs besoins, et du coup, elles sont mieux armées dans la discussion qu'elles ont avec les référents Pôle emploi. C'est finalement ça qui pêche, selon vous, au sein de Pôle emploi, ce problème d'accompagnement personnalisé et d'écoute peut-être des demandeurs d'emploi, chercheurs d'emploi. Pôle emploi, vous le savez, il y a maintenant 4 types d'accompagnement, y compris le dernier qui vient d'être créé, l'accompagnement global avec les conseils généraux. Je crois que surtout, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est important pour le chercheur d'emploi, c'est d'abord de reprendre confiance en lui. Soit parce qu'il a été licencié, soit parce qu'il n'a pas été au travail pendant très longtemps. Et du coup, le fait de pouvoir parler dans une relation d'aide qui n'est pas du jugement, mais qui est de la bienveillance, qui est de l'écoute reformulatrice, ça permet à des chercheurs d'emploi de se projeter, de reprendre des repères de vie, de reprendre des repères notamment de projection dans l'avenir. Et du coup, ils sont mieux armés pour discuter avec le référent Pôle emploi. À l'inversion de la courbe du chômage, c'est un difficile pari qu'a fait François Hollande. Est-ce que vous y croyez, vous ? Alors nous, si on regarde les derniers chiffres, comme vous le savez, comme tous les commentateurs, journalistes et autres, on voit bien que c'est très difficile aujourd'hui. Nous pensons que quand même, il faut garder espoir. Et ce que l'on dit, nous, à Solidarité Nouvelle face au chômage, c'est que avec de l'accompagnement, avec de la méthode, avec cette écoute que nous avons auprès des chercheurs d'emploi, eh bien, nous pouvons retrouver de l'emploi. Sachant que à Solidarité Nouvelle face au chômage, nous créons aussi de l'emploi avec des associations partenaires, soit des associations du monde associatif pur ou bien de l'économie sociale et solidaire. Et avec nos fonds, qui sont uniquement des fonds privés, eh bien, nous subventionnons des emplois auprès d'autres structures, d'autres associations. Et cette technique-là, ce dispositif, il est aujourd'hui extrêmement utile et il a démontré toute son action depuis maintenant 30 ans. Si vous deviez faire passer un dernier message, quel serait-il ? Il y a des offres d'emploi mais qui ne sont pas pourvues en cause une inadéquation de l'offre et de la demande ? Alors ça peut être le cas. Ce que nous disons, nous, en tous les cas, auprès des chercheurs d'emploi que nous accompagnons, c'est qu'ils ont des talents. D'ailleurs, nous leur faisons faire l'exercice des talents, justement pour démontrer qu'ils ont des capacités, des expertises, une expérience, et que ces expertises, ces expériences, elles peuvent être mises au profit d'un employeur, qu'il soit public ou privé ou associatif, et donc qu'elles ont leur chance. Et quel que soit leur âge, que ce soit un jeune ou que ce soit des personnes qui ont 55, 60 ou 61 ans, les personnes que nous accompagnons, en tous les cas, généralement, retrouvent une solution positive. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Merci beaucoup. 3 élections municipales annulées pour irrégularité dans les Hauts-de-Seine. Il s'agit de celle d'Asnières, qui avait été remportée par l'UMP Emmanuel Eschliemann, de Clichy-la-Garenne, remportée par le PS Gilles Catoire, et de Puteaux, dont la maire était Joëlle Secaldi-Reynaud, UMP. Alors en revanche, le Conseil d'État a rejeté l'annulation de l'élection du maire FN de Villers-Cotterêts, Franck Briffaut.
Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, demande à la communauté internationale d'aider l'Union européenne à sauver des vies en Méditerranée, y compris par une opération militaire controversée. Une demande qui intervient alors que le Sénat, je vous le disais en titre, a entamé il y a une heure l'examen du projet de réforme du droit d'asile. Pour en parler, on va tout de suite retrouver Faustine Saint-Geniès en direct de l'hémicycle. Bonsoir Faustine. Alors les sénateurs, nous dit-on, veulent muscler ce texte. Oui, c'est un très net coup de barre. À droite, le moins que l'on puisse dire, c'est que la commission des lois a durci le texte sous la houlette du rapporteur, l'UMP, François-Noël Buffet. Alors parmi les apports, diront certains, parmi les propositions pour être plus neutre de la commission, un délai maximum de 9 mois et non plus 2 ans, comme c'est trop souvent le cas, pour traiter une demande. L'objectif, c'est d'éviter des situations dramatiques où des personnes attendent sur le territoire français indéfiniment. Autre mesure plus controversée encore, le rejet des demandes d'asile vaudra maintenant obligation de quitter le territoire, mais cette mesure aura du mal à s'appliquer juridiquement, selon plusieurs spécialistes. Et enfin, un étranger qui voit sa demande d'asile déboutée ne pourra plus solliciter une autre demande d'asile pour un autre motif, une autre demande pour rester sur le territoire français. Pour le président de la commission des lois, l'UMP, Philippe Bas, l'objectif, eh bien, c'est d'envoyer un signal fort et de remettre sur pied un système qui est à bout de souffle. Alors vous vous en doutez, l'opposition de gauche ici au Sénat crie à la dérive droitière. Et puis il juge que la procédure est assez lamentable. Les débats, je vous le rappelle, ont lieu aujourd'hui, ce soir en séance et lundi prochain. La sénatrice écologiste Esther Benbassa me le disait il y a quelques instants, comment voulez-vous qu'on examine correctement un texte aussi important quand il n'y a aucune continuité dans l'examen du texte? Vous le voyez, les débats sont déjà assez virulents alors qu'on en est à peine au début de la discussion générale. Merci beaucoup Faustine pour toutes ces précisions. Et puis en marge des discussions, des avocats liés au Conseil européen pour les réfugiés et les exilés ont manifesté devant le Sénat aujourd'hui contre ce texte. Ils s'inquiètent d'une atteinte sans précédent au droit d'asile. On écoute leur représentant au micro de Géraldine Bavoileau. On n'est pas sur un projet de loi concernant l'immigration. Ça concerne les gens qui fuient parce qu'ils sont opprimés leur pays. C'est de cela qu'on parle. D'accord, c'est pour qu'il n'y ait pas de confusion. Eh bien, ces gens, ils arrivent déjà traumatisés. On leur demande des documents. Il faut qu'ils trouvent une association, un avocat qui va préparer leur dossier. Il faut faire traduire les documents. Tout ça, en 5 semaines, c'est matériellement impossible. 24 heures Sénat, tout de suite, le débat. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat consacré ce soir à cette visite de François Hollande à Cuba avec nos invités sur ce plateau. Hélène Conway-Mouret, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice socialiste, vous représentez les Français établis hors de France. Merci d'être avec nous. Avec nous également Fabienne Keller, bonsoir. Bonsoir. Sénateur UMP du Bas-Rhin, merci d'être en notre compagnie. Hélène Conway-Mouret, on sait que c'est Jean-Pierre Bel, l'ancien président socialiste du Sénat, qui est l'envoyé personnel de François Hollande pour l'Amérique latine. Est-ce que vous savez s'il a pu jouer eh bien, en la faveur de ce déplacement inédit d'un chef d'État français? Bien sûr, enfin, c'était son rôle de préparer la visite du président de la République, puisque Jean-Pierre Bel aujourd'hui est concentré sur l'Amérique latine, pas simplement Cuba. Et donc c'était une visite historique, je crois que ça a été dit très largement aujourd'hui, parce que c'est la première visite d'un chef d'État occidental depuis bien longtemps. Et donc je pense qu'on peut tous se réjouir que eh bien, ça soit le président français qui vienne ouvrir finalement, je crois, le bal des visites, parce qu'il est tout à fait conscient que d'autres suivront après lui. Fabienne Keller, est-ce que François Hollande a réussi un coup diplomatique en parvenant à être le premier chef d'État occidental à se rendre à Cuba? Alors Cuba était dans une situation d'isolation, enfin d'isolement terrible, d'embargo. Le fait qu'il y ait un début de pacification des relations avec les États-Unis il y a quelques mois, c'est des signes intéressants. Le président Hollande vient les voir. J'espère que ce n'est pas un coup médiatique et qu'il y a aussi des négociations plus diplomatiques, notamment sur la question du régime, hein, du respect des droits de l'homme, que Laurent Fabius lui-même évoquait au sujet de ce régime cubain il y a quelques mois, en décembre 2014. Il s'est rendu également à Cuba avant. Je relève aussi un élément intéressant, c'est le rôle du pape, ce pape sud-américain,
qui a joué un effet pacificateur. Un de ses cardinaux a été très important, a été l'un des grands résistants à Fidel Castro. Et là, voilà, on va dans le bon sens, mais il faut qu'il y ait des progrès aussi sur la situation du pays, sur la protection des personnes et sur la nature des relations internationales qu'il entretient. Alors justement, Hélène Conamouré, que peut faire la France pour contribuer à l'ouverture de Cuba ? Eh bien, je crois que le président de la République aujourd'hui a fait des annonces assez importantes et je crois qu'elles sont bien heureuses parce qu'elles vont dans le sens justement de renforcer les relations d'amitié très, très fortes entre nos deux pays et notamment par les étudiants. Il y a aujourd'hui 150 étudiants cubains, c'est trop peu. Le président a annoncé qu'il y en aurait 300 à l'avenir avec des bourses qui seront offertes pour des niveaux supérieurs, master et doctorants. Et je crois qu'il faut se réjouir de ce qui est mis en place dans les échanges, pas simplement commerciaux, parce que là aussi il faut être, je crois, objectif et voir que Cuba, c'est grosso modo la population de l'île de France aujourd'hui. Donc, avec. C'est pas finalement l'Eldorado commercial qu'on a pu le découvrir. Non. Et puis le salaire annuel des Cubains est de 250 euros. Donc, je crois qu'il faut être. Il faut relativiser tout cela et se dire qu'on va commencer par le renforcement de relations au niveau culturel. Il y a des pôles d'excellence, notamment au niveau de l'enseignement supérieur, des sciences. De la culture et c'est cela que nous allons mettre en place, je crois, dans un premier temps. Et puis, bien sûr, apporter ensuite l'expertise française. Il y a un certain nombre de grands patrons qui accompagnent le président de la République, comme c'est le cas à chacun de ses déplacements. Donc là, nous avons une expertise, notamment pour la modernisation des infrastructures. Et je crois que l'expertise française est attendue et sera bienvenue. Mmh. Fabienne Keller, est-ce que le régime de Cuba est devenu fréquentable, vous l'évoquiez à l'instant ? Pour l'instant, on n'a pas de preuve d'un changement en profondeur. C'est tout l'enjeu. Hein. Il ne s'agit pas de faire la leçon à d'autres pays, mais par contre d'être exigeant dès lors qu'on lève des mesures d'embargo à leur égard. C'est un geste d'amitié qui a été fait. Je sais que la France avait maintenu deux centres culturels, ce qui était une belle démarche hein, pour garder une présence auprès de la population qui est plutôt en situation fragile. Hein. C'est un pays qui ne va pas très bien. On sait bien que cette zone ne peut se développer que si le blocage total aujourd'hui qu'on connaît dans la situation internationale de Cuba s'allège un peu. C'est important aussi pour les îles françaises. On a vu François Hollande justement plaider pour la levée de l'embargo. Voilà. Hein. Toute la question maintenant, c'est quelle est la réalité de l'évolution de ce régime, qui est quand même un des régimes les plus durs du monde, hein, qui a bafoué les droits de l'homme, il y a des personnes qui ont disparu. Enfin voilà, la France ne renonce pas à ses principes démocratiques, je crois, et j'espère que voilà, cela s'inscrit comme la première pierre d'un cheminement qui passe aussi par les relations avec le grand voisin qui est les États-Unis. Mais pour cette zone des Caraïbes, c'est un mouvement qui va dans le bon sens pour nos îles françaises également. Justement, Hélène Conway-Mouré, on a beaucoup reproché à François Hollande de ne pas rencontrer la société civile. Est-ce qu'il va pouvoir évoquer cette question des droits de l'homme et des prisonniers politiques ? Il a dit qu'il allait le faire, mais enfin, je crois qu'il y a une certaine décence et politesse à respecter. Quand on rencontre son hôte, on lui décline pas tout ce qui ne plaît pas chez lui. Donc, je crois que François Hollande fera ce pas, en effet, pour ce qu'il a défendu. Et il s'était targué, d'ailleurs, d'une tribune il y a quelques années, justement, pour la défense des droits de l'homme. Et il n'a pas changé dans ce domaine-là. Mais il a annoncé qu'il en parlerait, bien sûr. Et puis, il y a ce geste très fort, quand même, de la remise de la Légion d'honneur justement au cardinal Ortega. Je crois que c'est pas simplement des paroles dont on a besoin, c'est un acte fort, un acte symbolique pour dire que, en effet, cette personne qui, dont on connaît l'engagement auprès des dissidents et des prisonniers politiques pendant toute sa vie, eh bien, est décorée, est honorée par la France. Donc je crois que c'est un acte très symbolique, mais très fort et qui va bien au-delà des discours que l'on pourrait tenir. Donc le président, je crois, est fidèle à ce qu'il défend. C'est une parole qui est attendue aussi, et un geste qui est attendu de la part de la France. En effet, je crois que nous avons une relation d'amitié, et entre amis, on peut aussi devoir se dire les choses. Fabienne Keller, on sait aussi que l'objectif de ce déplacement est de renouer les liens avec le régime cubain. François Hollande, il va aussi pour représenter l'Europe. Que peut-on attendre justement de l'Union européenne pour ouvrir un peu Cuba ?
Alors, c'est la question de la diplomatie européenne, l'idée qu'un État membre puisse, de son propre chef, faire les premiers pas sans forcément engager l'Union européenne, mais en permettant des marges de négociation. Je trouve que c'est une idée très intéressante qui peut permettre à l'Europe d'ailleurs d'être plus présente dans le monde. On l'a vu sur le dossier ukrainien, où c'est Français et Allemands qui sont plutôt en pointe. Sur d'autres dossiers, ce sera peut-être les Espagnols ou parfois les Britanniques, qu'on aimerait même voir plus à l'œuvre dans la diplomatie avec les Européens derrière lui. Donc je crois que ça va dans le bon sens et je pense que ça fera l'objet d'ailleurs de négociations avec les partenaires de l'Union européenne. Et je pense que vraiment toute l'Amérique du Sud devrait être un grand partenaire naturel de l'Union européenne. On y parle des langues d'ailleurs européenne. Et puis il y a cette grande zone des Caraïbes qui est stratégique. Et là, ça va dans le bon sens. Mais la diplomatie, j'espère qu'elle a quand même un peu anticipé ce voyage, qui est une énorme concession quand même. Hein, un grand geste d'amitié fait à l'égard du pouvoir en place. Je revoyais des photos de Fidel Castro. Ça rappelle quand même de terribles souvenirs. Il faudra continuer. Mais j'espère que François Hollande, en grande difficulté sur la situation intérieure, n'a pas fait là un geste extérieur à seul but de communication personnelle. Je forme ce vœu, je fais ce rêve. Non, mais il faut pas tout ramener, je crois, aux franco-français. Enfin, le président Hollande se déplace beaucoup. Je crois que c'est son rôle à la fois de renouer avec un certain nombre de pays. Je suis allée en Amérique centrale il y a 2 ans de cela. En tant que ministre à l'époque, eh bien, cela faisait 16 ans qu'il n'y avait pas eu une visite ministérielle de la part de la France, d'un ministre français. Imaginez une entreprise française qui répond à un appel d'offres venant d'un pays que l'on ne connaît pas, qui se désintéresse complètement d'entretenir des relations diplomatiques et politiques avec celui-ci. Eh bien, il y a eu un effort, et cela a été en concertation, bien sûr, avec l'exécutif et le président de la République, que la France soit présente, que la France soit présente pour l'Europe, pour représenter l'Europe, mais aussi en tant que pays qui a besoin de renouer ses relations avec un grand nombre de pays. Un Premier ministre m'a dit un jour qu'ils y voyaient une forme de mépris de notre part, ou alors d'avoir des hommes politiques français, notamment au niveau de l'exécutif, qui passaient quelques heures et qui repartaient bien vite parce qu'ils avaient des choses plus importantes à faire. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui qu'on a besoin de renouer ces relations-là, et ce n'est pas des coups de com' du franco-français. Je crois que les Français s'intéressent à ce qui se passe en France et que là, ça leur fait plaisir de voir qu'on avance à suivre. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Et puis, pour finir, sachez que Public Sénat a été à l'honneur aux États-Unis avec ce documentaire Voyage en Barbarie, réalisé par Delphine Deloger et Cécile Allégra, qui a été primé, coproduit par Public Sénat. Je le disais, et Memento, il a reçu le prix du meilleur documentaire du New York City International Film Festival. Il jette une lumière crue sur les tortures infligées aux milliers de réfugiés érythréens. Je vous propose tout de suite de voir un extrait. Kidnapped from within the refugee camp. So that morning with five others, we went out to get some firewood. That was like 100 to 200 meters from the place that we sleep in. And all of a sudden, three Toyota pickups showed up. They would come parallel to me and then bump me with the door, and I would fall. And then they would start beating me up with sticks and stuff. And then I would jump up and start to run again. And then they would bump me again. And this came on till I was really close to the place that I slept in, within the refugee camp. But then on the fourth or fifth fall, I was just out of breath. I was too tired to even move. Voilà, c'est un documentaire à voir ou à revoir ce soir sur Public Sénat à 22h30. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi à 22h. Sonia Mabrouk et ses invités. Bonne soirée à tous et à demain.